La Corse, si vous posez la question 60 ans en arrière, c'est à peu près la même chose, toujours à la croisée des chemins. Elle est entre son passé, son histoire, elle est entre réfléchir, entrevoir l'avenir. Ça a toujours existé, aujourd'hui comme hier, comme demain. La seule chose, il faut que les hommes d'aujourd'hui puissent, tous, ces enfants de cette île, puissent s'unir, se réunir pour dessiner un avenir beaucoup meilleur que par le passé, que ce soit sur le plan politique, environnemental, social, éducatif, tous les thèmes qui peuvent permettre à l'homme de s'épanouir et mieux vivre l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce que la Corse sans les autres? Donc la Corse, elle dépend des autres aussi. Donc elle n'est pas seule au monde, on n'est pas le centre du monde, on n'est pas à l'écart de la société. Donc sa chance, c'est ses enfants, c'est ceux qui veulent, ils sont beaucoup, ils sont nombreux, ceux qui veulent un avenir meilleur pour cette île. Mais les jeunes corses, que ce soit des quartiers populaires, que ce soit des quartiers huppés d'Ajaccio ou de la Corse, ils ont ce lien avec l'ancien, ce lien avec la culture, ce lien avec l'histoire et le respect. Le respect, il suffit de le prendre un pas. C'est vrai, lorsqu'il y a l'effet de groupe, on peut voir dériver un peu la parole ou le comportement. Mais un par un, si on prend le temps de vivre la Corse, vivre avec les Corses, on a cette chance énorme. Parce que comment on peut dessiner un avenir, se projeter dans l'avenir, sans parler de la jeunesse? Parce que la jeunesse, c'est notre avenir, c'est l'avenir de cette île. Oui, moi, personnellement, je suis optimiste, parce que je vois cette jeunesse. On dit c'est les jeunes, ouais. Bien sûr, il y a des gens qui tiennent le mur, il y a des jeunes qui fument, il y a des jeunes qui... Mais c'est la minorité. C'est la minorité. Il y a des extrémistes, il y a un peu de tout. Mais la majorité des jeunes corses, je vois des enfants que j'ai eu en classe, que je vois qui sont responsables maintenant, ou ils sont vraiment acteurs de cette Corse, je ne peux être qu'optimiste. Je ne peux être qu'optimiste. On ne peut pas. Bien sûr, on peut poser des questions graves, on peut réfléchir, on peut échanger, on peut se disputer, mais l'avenir n'est autre que l'optimisme.